à Mirza Balayev qui est au cercle. Mirza Balayev veut s'avancer, un tir, l'arrêt, bel arrêt là-dessus, du bout de la jambière par Sheehan, un tir, passe là, et compte. Et il fallait bien, j'en parle de William Provo, il marque un but de toute beauté là-dessus, là, vraiment attendu que Sheehan se compromette sur la séquence et ouvre la marque. William Provo, c'est un 10e filet cette année pour lui de mémoire, voilà. Exactement, un but marquant avantage, j'ai bien que c'est 1-0 Val-d'Or. Oui, le joueur de 19 ans des Foreurs de Val-d'Or est le premier à s'inscrire dans ce match. Et Nicolas Sheehan a été complètement déculotté sur la séquence. William Provo qui a été très patient devant le filet. On a un peu erré, je te dirais, chez l'Armada. Toutefois, là, justement, le Zachary Cardinal qui tentait de... Sarrazin devancer l'entrée de zone. Et là, on a l'impression que c'était serré. Passe de... Ah, oh, quel arrêt de Boileau sur Philippe Fauchon! Les unités spéciales font la différence jusqu'à maintenant, comme oui, c'est souvent le cas. L'entrée de zone qui va à Robida. Robida, un tir, bel arrêt du bout de la jambière. Ça va à Craig. Craig derrière à Schmidt. Ça a sauté par le surbateur. Et là, c'est un revirement. On s'amène à deux du côté de Vador. En fait, c'est Robida. Il est seul. Il est avec Lavigne. Un tir qui touche la barre. Oui. Manque de synchronisme. Passe de Denis vers Gendron. Il est seul de son cas. Attend la venue de Fauchon. Gendron, tir, goal! Wow! Encore une fois, c'est un boulet de canon d'Alexis Gendron qui atteint la vingtaine. C'est l'égalité 1-1. Et il y a deux joueurs qui ont fait un excellent travail sans être sous les feux de la rampe. C'est vrai, premièrement, Michael Denis, vous venez de le voir. Quelle belle sortie de zone, un jeu tellement intelligent. Il repère Alexis Gendron qui prend de la vitesse. Et ce qui a permis le bon tir d'Alexandre Gendron, c'est également Jonathan Fauchon qui s'amenait. Il offrait une option de passe à... Alexis Gendron, ce qui a semé le doute, ce qui a semé le doute chez le gardien. Avec Gendron, là, ça va à Michael Denis. Denis envoie vers Fauchon. Fauchon tente de s'amener seul. Il est seul, Fauchon! Ah! Oh! Bel arrêt de Boileau! Qui a pris l'attaque. Roy, qui est sur une longue présence, est envoyé vers Gendron, qui a marqué son 20e. Gendron tente d'utiliser la vitesse. Il pousse derrière. Belle manœuvre, goal! Aïe, aïe, aïe! Wow! Quel magnifique but d'Alexis Gendron! C'est 2-1, l'Armada! Et là, le gardien de but Boileau en prend pour son rhume. Mais même chose pour Tristan Pelletier, vraiment battu de vitesse par Gendron, qui fait coucher le gardien de but Boileau de tout son long. Ensuite, Gendron, quelle habileté pour loger ce disque-là dans la partie supérieure. Et l'Armada qui prend les devants, 2-1. Ça va avoir une rondelle là, qui pourrait mener un bon tir. C'est là qu'il y a son succès. Lorsqu'il est impliqué, on le sait, là... On est intelligent ce soir. C'est un joueur de séquence des fois. La Mikluka derrière Ravitsky. Ça, Mikluka, Mikluka. Cette fois, deux fois, trois fois. Vers Lavigne qui maintient. Lavigne travaille devant Mirza Valeyev. Envoie à Schmidt. Schmidt tente de créer une ligne de tir. Envoie à Mikluka. Mikluka. Un c'est compte. Cette fois, la patience d'Alexis Mikluka fait coucher le gardien. Et loge la rondelle dans le haut du filet. C'est 3-1. Et là, Mikluka a mis plein la vue au centre d'excellence. Sport Rousseau a eu tout le temps voulu. La pression ne s'est jamais amenée sur Mikluka. Et quelle belle passe de Braden Schmidt qui est là. D'un angle pratiquement impossible. Alexis Mikluka trouve la lucarne. Et Tristan Boileau là, ne peut que regarder ce tir se diriger derrière lui. Et l'Armada qui double son avant. Boileau, là, puisqu'il s'attendait à la passe à Brisson. Combien de fois on a dit ça cette année, que souvent là, on prenait pas les lignes de tir du côté la personne va aller chercher 10. Finalement, c'est Fauchon qui est là. Et Doucet a créé le revirement. Ça va à Robida vers Doucet. Il est seul, Doucet. La fête. Oh, quel arrêt de Sheehan du bout de sa jambière droite. C'est important la ligne ici. Là. Oui, Sheehan, là, c'est un tir qui est dévié. Provo au vol. C'est raté ensuite. On sait que Val-d'Or, là, souvent, aime ça revenir dans le match tôt. Là, on va... J'entendais des coups de filet. Ça va à Alexandre Guy qui ramène les deux équipes à un but d'écart. Le produit du Félix Dester-Blondin qui marque ce filet pour lui. Je crois que c'est son premier en carrière, Alexandre Guy. À son 5e match dans le hockey junior majeur du Québec. Le produit du Phoenix du collège Dester-Blondin qui marque en plus devant probablement famille et amis. Du moins, on lui souhaite. Bref. Ben, on a entendu des sifflements. Oui, natif de Blainville, Alexandre Guy, un jeune de 16 ans. un but fort. Qui veut pousser vers Craig, c'est fait. Craig s'amène avec Lavigne. Craig veut couper au filet, c'est goal! Mais j'ai l'impression que Kieran Craig a entendu ce que tu disais, Vincent.
Il a joué pour la victoire. Il marque un 21e cette saison. C'est 4-2 l'Armada. Et quel soutien qu'a obtenu Craig de la part de son capitaine. Simon Lavigne, c'est vraiment lui qui a pavé la voie. Vous le voyez, il transporte la rondelle en territoire neutre. Il s'offre une option de passe. Oh, quel tir du roman. Et il permet justement à Craig de profiter d'un tir avec plus d'espace parce que il s'offre justement une option et le défenseur McCallum, qui c'est très difficile pour lui ce soir, McCallum défensivement, est coupable d'une mauvaise coupe.